Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. J'aimerais qu'on se parle un peu. Bientôt, il va y avoir un projet de loi à l'Assemblée nationale pour limiter l'âge à la candidature au niveau de la présidence de la République en Côte d'Ivoire. 75 ans. Moi, je dis, c'est mon soutien total. J'adhère à cette idée et je suis prêt à faire la campagne, la promotion de cette loi. Parce que depuis en Côte d'Ivoire ici, la Côte d'Ivoire a été prise en otage par trois messieurs qui sont de la politique. Monsieur Henri Corabédié, qui est leur aîné, monsieur Alassane Ouattara, qui est le président actuel, et monsieur Babo Laurent, qui a été président de la Côte d'Ivoire. Les trois personnes. Alors, si ces trois personnes focalisent, bloquent l'avenir politique du pays, mais il faudrait que nous-mêmes, on les mette à la retraite. On a décidé qu'ils ne soient plus candidats. Mais ça pose le problème. Ouattara dit, si Bédié est candidat, nous les candidats. Si Babo est candidat, il est candidat. Voilà. Et aussi, quand PDCI vient avec Bédié, veut venir à Bédié, FP veut venir avec Babo, mais ils ne veulent pas voir Alassane Ouattara. Mais pour éviter tout ça, on met une loi pour que ces trois personnalités partent à la retraite. Où est le problème? Il faut que chaque parti politique ait quand même une descendance, c'est-à-dire quelqu'un qui va remplacer, qui va le remplacer à la tête de son parti, ou à la candidature. Mais pourquoi arrêter ça? J'ai dit que je soutiens. Cette loi doit être votée à l'Assemblée nationale pour écarter Alassane Ouattara, Henri Corabédié et Babo Laurent à la candidature ici en Côte d'Ivoire. C'est terminé. Et puis, rappelez au chef de l'État, au niveau du RADP, pardonnez, essayez quand même de cultiver certaines petites choses. Parce que je crains que certains comportements ne créent des frustrations. Moi, j'ai bien, ces gens-là, moi, je connais bien Blé Goudé, Navigué, j'ai des enfants avec qui j'ai gardé très bons rapports. Avant que Babo soit pouvoir exister à l'opposition. Même quand Babo est président, des relations encore existent. Et c'est comme ça avec eux que nous travaillons. Quand tu vas à Blé Guirao, c'est la même chose. Nous avons des amitiés avec eux. Quand tu prends le cas comme Karamoko Yairo, Ogé Tiakouré, mais aux heures chaudes du RDA dans l'opposition, c'est-à-dire la période noire, la période rouge, mais ces enfants-là ont risqué leur vie pour mettre leur figure dehors. Mais aujourd'hui, là, depuis que chef d'État, vous êtes là, je ne vois plus ces enfants-là. Ils sont dans l'oubliette. D'autres sont là. On les attend plus. Et au détriment d'autres personnes. Moi, je dis, évitons de créer des frustrations entre les jeunes gens. Vous travaillez avec des jeunes gens. C'est une très bonne chose parce que ces jeunes gens ont de la compétence. Mais les autres aussi, tirez-les. Parce qu'eux, ils étaient au devant de la scène pendant les heures chaudes. Il faut que maintenant, lorsqu'on arrive à table, il faut que aussi on les voit. Je ne peux pas concevoir que nous, comme Karamoko Yairo, être candidat à la députation de manière, sous la bannière d'indépendant. Alors que le parti qu'il a défendu quand il était président de RJR est là. Je ne comprends pas. Et je dis que souvent, après à faire cela, c'est très bien. Et puis vous qui êtes des cadres du RADP, qui sont à des postes ministres, députés, DG un peu partout, Hassan Ouattara, en début de son mandat, a dit que ce mandat était placé sous le signe du social. C'est-à-dire, il vous a instruit, vous devez tout faire de social, un peu partout, aimer les autres, aider les autres. Le mandat est là, Hassan a fait son discours, il a été investi, jusqu'à aujourd'hui, ça peut peut-être un an plus, on ne voit pas le social, on ne voit pas. À part peut-être les 3600 foyers qu'on donne 36 000 francs par mois, ça j'en ai déjà parlé, mais vous-même qui êtes des cadres, on ne sent pas du social entre vous. Et à cette allure, vous allez voir que des gens vont devenir un peu façon. Vous avez vu les députations passer. Les gens ne sont pas prêts. Et demain, je vous dis sincèrement, des personnes qui sont là encore, qui rabient le RDP, c'est à cause de la présence de Alassane Ouattara qui fait un travail. Mais si demain Alassane Ouattara quitte au milieu entre vous et la population, vous allez les sentir. Vous allez les sentir. Pour ne pas dire, vous allez nous sentir. À la prochaine. Emergence, doyo, doyo, emergence, doyo, doyo, emergence, doyo, doyo.